chers amis, bonjour. Alors là, je vous dis un bel bonjour, aujourd'hui dimanche, hein, comme d'habitude, le samedi et le dimanche, nous avons fait une petite émission, nous, tranquille le charge. Là, nous avons fait un petit proverbe, antiphrase, et puis nous avons parlé les autres aussi des rêves, je vous dis, parce que vous savez, nous avons madame et puis nous, là, il y a des rêves. Après, nous avons fait des petites infos, les aptus, et puis les petites news, les petites médoisiers, puis pas d'autres cuisines, et puis maintenant, on vous suivez sans douer, là, je vous dis, nous avons parlé, et puis aussi, et là, je vous dis, Lydia, bonjour Lydia. Bonjour Jean-Claude, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. La vôtre, c'est la vôtre, Local 5. Et puis Philippe, quand même. Voilà, un bel bonjour, content de vous retrouver depuis hier. Et puis, à côté de moi, mon ami, c'est qu'on dit ça, tête cendrée, mon bon point canard. Il a présenté quoi, après. Bon, mais invité présenté où? Eh bien, on va dire un bel bonjour, on va appeler moi Désir Florentini, mais en séjour. Par côté la France, on a dit la France, puisque je suis sillonné depuis un petit moment, là, depuis des mois. Et puis, je suis très content d'y venir là, aujourd'hui, à discuter des mots, quatre paroles, épisode. Et puis, de l'autre côté, anonyme, c'est Pado cuisine, Pado, qui m'a dit ça passé hein? Eh bien, mal, bonjour tout le monde. Hein? Et pas vraiment un petit bonjour en allemand. Good morning, c'est pour ces camarades allemands qui regardent nous. Moi, ça, je regarde nous, pas de problème. Ok, tout à l'heure, nous n'y poissons, nous n'y prenons gol. Pontier Saint. Tout à l'heure, nous regardons ça. Ok, pas de problème. Eh bien, proverbe, je dis à maman, là, ça, qui ça qui est comme proverbe. Non? Après la fête, quoi gratter tête. Alors, qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que tu m'as trouvé, Lydia? Après fête, c'est gratter tête. Eh bien, une fois que tu as tout dépensé. En fin de compte, ça veut dire ces belles paroles, mais ça veut dire comme ça que l'offre une fait monter mon là, ou fait la fête, ou quand on s'est bonnet, dès matin c'est parti là, on ne peut pas payer encore. Tu restes seul avec tes problèmes. Au gagnement des mondes, on ne peut pas déboîter. Tout à fait. Et puis là, ni tigé à maman là, parce que pendant les vacances, quand il est sorti, et puis le roi Mongin, par côté Guadeloupe, quand il parle à Désirade, les Saintes, et puis par Marie-Galante, tout ça, donc elles font tout, les autres en vacances, c'est ni bateau comme les autres. Alors, ni tigé que là, Philippe, petit phrase là, c'est. Fais vite, dépêche-toi. Alors, pendant le téléphone, on est devant les autres, courez, on est raté. Oui, mais bien sûr, alors le 09 53 54 62 72. Aïe, bon, ben, nous allons commencer bien parce que vous savez, mon sentiment vient en vacances. Je me réveille ça hier soir, Lydia. Ah bon? Tu sais que ce n'est pas forcément bon. Tu sais que quand on rêve de vacances, c'est ou bien c'est un signe. Il faut s'arrêter, il faut prendre le temps, c'est le moment. Mais il peut avoir aussi d'autres significations. Ça peut indiquer des soucis sur le plan familial ou professionnel. Quand tu rêves de vacances, ça peut aussi annoncer la visite d'un ami. Ou d'une amie. Rêver de partir en vacances indique la délivrance d'un gros souci et d'un repos de l'esprit. Et puis il y a aussi d'autres significations. Il y a le rêver de vacances peut signifier qu'on refuse les contraintes. Ça peut aussi signifier, ça peut aussi être le signe que vous allez vivre une période de pessimisme. Ça peut rêver, quand on rêve de partir en vacances avec la personne que l'on aime, son compagnon, sa compagne, son partenaire, l'être que l'on aime, ça signifie que vous profiterez d'un repos bien, bien, bien mérité. Si on vous offre des vacances, par exemple, tu rêves, quelqu'un te paye une croisière, achète, ça veut dire que ça signifie que vos finances seront au beau fixe. Parce que c'est pas où on va payer, quoi dire là. Forcément. Et puis la dernière interprétation, voir si tu vois des inconnus qui partent en vacances. Tu vois, tu es sur le bord du truc, là, regarde, mon gars partir en vacances, bon voyage, tu es à l'aéroport, tu vois, tu accompagnes les gens. Ouais. Ça signifie que tes projets n'aboutiront pas. Non. Forcément, parce que c'est pas où on va partir. Rêver de revenir de vacances, quand tu rêves que tu reviens de vacances, ça annonce un changement de situation. Tu rêves que tu es en vacances, ce sont des obligations matérielles qui t'obligeront à renoncer à d'agréables distractions. Et puis, ça peut aussi indiquer qu'un menteur dirige vos actions et cela vous ruinera. Ça veut dire que vous tombez dans un gentil bail là-bas et puis qu'elle mange l'argent. Ben voilà. Un petit coquelet, anciennement, un petit coquelet. Bon, alors là, nous parler de tout ça, mais Philippe, nous ne pouvons pas aller de l'émission parce que ça c'est hommage, nous, parce que ça c'est une émission aussi, nous pouvons parler des hommages vivants et ça qui est à mort. Je dis à nous, quand tu veux parler moins, parce que l'autre côté, il y a mon. Allez, Lydia. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Comment vous appelez? Flavie. Pardon? Flavie.
Flavie. Flavie. Flavie, oui. Et vous nous appelez d'où, Flavie? Paris 20e. D'accord. Et quelle est pour vous la traduction donc de fais vite, dépêche-toi? Fais vite, dépêchez-vous. Non, mais fais vite, tu n'as pas traduit, ou dis-moi fais vite. Même en chinois, va comprendre. Fais vite. Non, mais là, elle a fait que redire ça. Non, ouais, c'est trop. C'est vraiment la façon. C'est trop francisé. C'est vraiment la façon. Ce qu'on a dit, entre guillemets, attention, c'est du créole petit nègre. Non. C'est pas vulgaire, attention à ce que je dis. C'est-à-dire qu'on a que. C'est une façon de dire que c'est du français qu'elle a retraduit en français, mais d'une façon un peu, disons, slacée, comme on dit. Non, c'est trop. On cherche quelque chose de beaucoup, beaucoup plus créole, forcément, Flavie. Dépêchez-vous. Pardon? Dépêchez-vous. C'est pareil, ça se comprend aussi. Nous pas comprendre. C'est pas ça, c'est pas le mot, c'est pas le mot que nous cherchons, c'est pas la traduction que nous cherchons. Mais en tout cas, merci d'avoir participé, et puis bonne journée à vous. Et puis continuez surtout, continuez à chercher Flavie, et puis rappelez-nous. D'accord. Merci, au revoir. Et puis, ma cas c'est mon nom, ça. Les autres qui ont parlé au téléphone, essayez de baisser en laissant télé, pas garder les autres qui ont parlé, parce que nous attendons un retour là, ici, en studio. Alors, le numéro de téléphone, s'il te plaît. Le numéro de téléphone, le 09 53 54 62 72. Bon, eh bien, parole, tu as dit, nous qui vivons là, Philippe, et qui a parlé, nous, le monsieur René Ménil, c'est un bouc que, malheureusement, il y a un tigre à boulet dans l'émission. Mais on doit César ce qui appartient à César. Donc, René Ménil, c'est un bouc qui fait par bord Gaumont en Martinique en 1907, qui meurt le 29 août 2004. C'est un philosophe, un essayiste martiniquais. C'est aussi un professeur de philosophie et chercheur de Fort-de-France. Il est ex-César Fanon et Glissant, l'un des plus grands penseurs martiniquais. Il est aussi le cofondateur du groupe Légitime Défense en 1932 avec Aimé Césaire et la revue culturelle Tropique en 1941. Mais voilà, c'est Miché. Donc, je trouve que ce combat pour contre l'assimilation et l'annihilation culturelle et le colonialisme, c'est beaucoup goumé pour qu'il y ait une identité purement antillaise et ou caribéenne. Mais malheureusement, c'est un gars, lorsque vous défendez en partie l'identité, vous considérez comme quoi que vous n'avez rien à faire dans la France encore, donc vous pouvez mettre à côté. Alors que la richesse de la France, c'est de pouvoir dire dans le monde qu'elle est la seule région du monde où elle est pluriculturelle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lui, on n'est pas connu. Et Césaire ou Glissant, voilà, ces gens-là ont une pignon sur rue. Tout à fait. Parce que lui, justement, il ne faisait pas de politique vraiment. Et puis donc Césaire aussi a été connu, disons, c'est parce que son discours sur le colonialisme, il était communiste à l'époque. Mais après, Césaire a été oublié parce que quand tu commences à défendre une identité, on te met au garage, hein, voilà, dans les placards. Bon, eh bien, monsieur... On a quelqu'un en ligne, je crois, Jean-Claude. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui êtes-vous? Je voudrais juste dire un bonjour à toute l'équipe, Philaton, Philippe Pilotin, surtout Jeff, un gros bisou à tous, hein, et un bisou aussi à Anne Padoli que je vois à l'écran. Donc, il se souvient peut-être pas, mais c'est Odile de Gisors. C'est qui? Oui, c'est Odile. Odile, tu bois tellement, je pense que tu avais mis des olivers. T'as mis des olivers? Mais non, pas du tout, moi là, mais un peu, voilà quoi, mais je reviendrai, mais pas tout de suite. Ça fait plaisir, merci d'avoir appelé, parce que ça fait un moment que nous parlons d'Odile. Avant, elle était au standard téléphonique. Et puis nous. Et puis il est parti, il monte en bas, Freddy, on est à la gueule, nous, au côté que Habitat est par les corbeaux, non? Mais non, pas du tout, pas plus loin qu'il a eu hier, on a même fait Gisors 91, ça a fait même bail là, hein. Eh bien, merci beaucoup, Odile. Voilà, un gros bisou à tous. Je pense beaucoup à vous, donc pratiquement tout le temps. Donc, je ne vous ai pas oublié, Jeff, je ne t'ai pas oublié non plus. Donc, je passerai, je prendrai le temps de venir. Odile a quand même peut-être une traduction, non, pour la phrase? Oui, ah, oui. Avec mes amis où j'ai appris un petit peu, donc ça peut donner Baïmanev. Baïmanev, non, c'est pas. On disait ça aussi. Il aurait dit ça aussi. C'est arrivé après. Portier-manev. Mais nous cachons chez plus vie encore. Ah bon? Bah, attends, okay. J'ai un petit garçon. Non. Merci, Odile, et puis à bientôt, alors, à bientôt au M5. Oui, et puis bien enchanté avec la nouvelle que je vois apparaître à l'écran. Donc, bonne continuation. Merci beaucoup, bonne journée.
Oui, ben, merci beaucoup Odile. T'as Odile, t'es là avec nous. Hein, ben, tu vois, ils sont en vacances au pays, alors tout soleil là, alors toute foncière à tomber les nous. Bititim. Bon, et Philippe, nous avons fini. Et puis, monsieur, maintenant, monsieur Gakoto, là, moi, vous parlez de Ménil, moi, peut-être, monsieur, d'autre côté, c'est qu'on a un petit brin histoire en l'air, non? Non, moi, je connais un petit brin Ménil, parce que c'est pas un bouc qui était à offrir des projecteurs, mais c'était quand même un penseur. Un monde qui était à défendre une idée, même manqué dit de la négritude côté Césaire. Mais c'était un bouc qui était la classe aliquaire, si vous voulez, mm-hmm. à ce côté tard. Mm-hmm. Jamais au fait des projecteurs, mais qui a défendu une idéologie qui était très très fort pour imiter toute la couleur noire sur Assouléra et Assouléra. Et malheureusement, bon, je pense que les premiers fossoyeurs de ce grand monsieur, c'est quand même les Antillais. Ouais. Bon, ben, c'est malheureux de le dire. Comme tu es, mais nous, ben, anti-hommage à monsieur, tiens. On a peut-être quelqu'un de l'autre côté de la porte. Oui, on va voir ça. Allô. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous vous appelez? Bienvenue. Stéphie. C'est, pardon? Stéphie. 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 Bonjour, Stéphie. Bonjour, Stéphie. Vous nous appelez d'où? Bonjour, de Saint-Denis. Ah, alors comment ça va ce matin? Bah, ça va et vous? Mais très bien, pas trop difficile le réveil un dimanche matin comme ça? Non, pas du tout, je suis très matinale. Bah, ah, très matinale, c'est bien. Alors, la traduction, Stéphie, pour « Fais vite, dépêche-toi » Fais mon œuvre, dépêchez-vous. Fais mon œuvre, mais dépêchez-vous, on comprend dépêchez-vous, c'est pas traduit dépêchez-vous. Fais mon œuvre, on disait ça, mais c'est pas ce qu'on cherche. Effectivement, fais vite, c'est fais mon œuvre, mm-hmm. et dépêchez-vous, c'est plus français encore. Mais c'est encore quoi, beaucoup plus créole, beaucoup plus ancien. Ah, plus âpre, ouais, plus rude. Oui, 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 beaucoup plus... Oui, on est à radio, dépêchez à vous. Dépêche votre corps. Non, mais c'est pas ça, Stéphie, mais continuez à chercher. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Tessie. Et puis là, nous sommes partis par côté des petits points info parce que nous avons fait beaucoup qui étaient partis faire un petit tournée. Et puis, regardez, ils sont tombés bloqués dans les affaires. Il y a un bouteille. Je ne sais pas comment ça, il y a un bouteille tout à l'heure. Et puis, regardez, bididim. Dernière manifestation. Ça qui est plus couillon, c'est qu'au moment où nous avons venu pour nous passer, les policiers ont bloqué nous. Donc, nous étions les premiers monde qui ont bloqué. Mm-hmm. Je me dis, vous allez laisser passer les autres, pourquoi pas nous. Ah, monsieur, c'est comme ça. Quand il y a une interview dans le 13e arrondissement de Paris, et brusquement, nous avons tombé sous en manifestation de motards. Ils ont bloqué complètement l'arrière. Et puis, donc, il y avait OM5 TV. Et bien, nous avons une chance d'y avoir la primeur. De prendre ces images-là et de montrer tout le monde dans Local 5. Elle était nécessaire car on défend la cause en fait non seulement des motards, mais tous les usagers qui ont des véhicules anciens, que ce soit les deux chevaux ou les motocyclettes. Technique, l'interdiction aux véhicules de circuler dans Paris. Eh bien, allez profiter de son périph' là. Il peut dire demain matin comme quoi que, ben, il marchait à pied le périph' parisien. Alors que d'habitude, c'est l'auto qui a roulé. Allez, ça. Voilà, eh bien, maman, là, ben, c'est vrai, c'était quand même désolant, mais c'est en cause, je pense, qui est même valable. Parce que, qui n'a ces messieurs t'as parlé que l'auto moto qui vient dans Paris bientôt c'est marché à pied. C'est ça enfin, ça on le fait, c'est comme ça balaye. Eh bien, l'on constate, les affaires grèves t'as apporté aussi, parce que l'on contre l'Union vieille grenade. Il faut passer contrôle technique. Alors, ça ne passe pas toujours. Ça. Mais que, je vais vous dire que j'ai fait vous dire. Ce qui est quand même désolant, c'est de voir que Mme Hidalgo, qui s'attelle à empêcher les voitures dans Paris et en plus les motos, etc. Elle ne donne pas le bon exemple parce qu'elle s'est fait piéger sur le périph' à plus de 130 km/h. Elle a fait un délai de fuite, elle s'est fait arrêter par les policiers et en plus une voiture qui n'avait pas de contrôle technique depuis 2 ans. Madame Hidalgo a des obligations que le commun des mortels n'a pas, cher Philippe. Eh ben, on a quelqu'un. L'exemple est d'en haut. On a quelqu'un en ligne. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment vous vous appelez? Marlène. Marlène. Et vous nous appelez d'où? De Champigny-sur-Marne. De Champigny-sur-Marne.
Alors Marlène, quelle est la traduction pour vous de train de... Pardon, fais vite, dépêche-toi. Pointez mon aide. Allez, on dit allez, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, nous quoi, attendre. Dépêchez, pointez mon aide. Et Marlène, où pète-y un cri, hein, c'est pas ça qui fait la réponse. Hein. En Guadeloupe, quand tu portais mon œuvre. C'est pas le ton, c'est pas le ton sur lequel on le dit qui compte, hein, ce sont les mots. Et t'as vu comment t'as bousculé. Ah bah bah ça va. Merci, ma précieuse. Bonne journée, bisous à tous. Si, Marlène agresse-moi tout bonnement. Dépêchons, pas de manœuvre. Merci, Marlène. Continue à chercher. Tu numéro de téléphone, non? Alors, le numéro de téléphone, le 09 53 54 62 72. Et là, je tape. Pas bousculez-moi comme Marlène. Alors, nous allons toujours continuer dans les infos parce que nous avons une antiphase info qui est allée. Alors, là, par côté, là, oui, bon vin, il y a une église, où il y a béni, tout le calte type bête, même qui mène un chat, qui mène un lapin, tout le calte. Quand on a l'église Sainte-Rita, alors, c'est plus de 2 heures à attendre pour défoncer l'église là. Alors, moi, monseigneur, hier, monseigneur répond moi, et puis monseigneur dit, bonne émission, il dit, moi, il y a une émission, bah, moi, je vais regarder un petit morceau. Quelle émission? Nous, que, ouais, puis ça, monseigneur, t'es qu'à, bah, on va aller. Pendant cette messe, j'ai vu l'oiseau embrasser la rivière et demander à Dieu, comme un adieu à Saint François d'Assise, d'être plus présent. Des chiens s'épuiser sur des pierres pour bénir, venir tous nos compagnons d'un marbre blanc, que ce soit des chiens. Des chats, des oiseaux, noués sur toutes sortes de pierres. Et Saint François d'Assise de la pluie a été désigné par le pape comme oiseau de la terre, de toute la création, et singulièrement des animaux. Bon, ben, là, monseigneur, dis-moi. Il a fait ça toujours, hein, c'est dans le 11e à présent. Mais est-ce qu'il est bien aussi dans le 11e? Non, mais peut-être. Il dit non, mais ça, à 11h, il ne peut pas continuer à faire même là, mais ça n'a pas trouvé. 9 cités des 3 bonnes. Alors, il a juste dit prendre métro par moitié pour ça qu'il y a peut-être un petit lapin ou bien un chien qui a mordé ou un chien pas mordé. Il faut faire un petit tour. Bon, nous allons l'autre côté. On se demande si c'est très sérieux tout ça. Allez, il y a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous vous appelez? Je m'appelle Marine. Marine? Oui. Oh, une toute petite voix d'enfance. À quel âge tu as, Marine? 9 ans. 9 ans, et tu nous appelles d'où? De Saint-Holomone. Saint-Holomone. De Saint-Holomone. Alors, Marine, propose-nous ta traduction pour toi de « Fais vite, dépêche-toi ». Au café vite dépêché ou? Eh bien, oui, j'avais dit, même moi, j'avais dit, c'est comme ça, oui. Mais non, mais. Tu es mal conseillé, ma chérie. La personne qui est derrière toi n'a pas suffisamment réfléchi, n'a pas travaillé. Qui est derrière toi? C'est papa? Ah. C'est mon père. C'est? Mon père. Ah oui, ça se sent, ça. Ça veut dire, c'est pas ça. Non, mais il faut lui dire de continuer à chercher encore. C'est trop, c'est pas ce qu'on recherche. C'est pas créole, ce qu'il a dit. Créole. Bien créole. Quoi pas gamin à la roue, hein. Allez, continue. C'est bien cherché. L'important, c'est de participer. C'est gentil. Bien, donc, Continue à chercher tous les deux, Marine, et puis à d'accord. Bientôt. Oui. Merci, au revoir, bonne journée. Et puis, alors tout ça, nous pouvons continuer toujours dans nous, vite fait, parce que nous pouvons partir à Tantane. Avant, il y a dit Tantane. Après, il y a dit Tartane. Nous pouvons à Tantane, nous pouvons garder. On a fait poisson, on prend le jeudi, dimanche. Des fois, le jour du poisson, c'est le vendredi. Mm-hmm. Mais là, on a l'acheter. Pour mon poisson, belle maman. Là, et puis, ça, pour qui ça va faire ça? Pour un fricassé pont. Eh bien, nous allons regarder ces images. Vamos a ver, ¿qué es lo que se llama? ¿Cómo 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 se llama? ¿C
Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous vous appelez? Denise. Denise, et vous nous appelez d'où, Denise? De Lyon. De Lyon. De Lyon. Comment ça va à Lyon? Eh bien, c'est nuageux. C'est nuageux. Nous aussi, hein, franchement, c'est l'automne, hein, Denise. Eh oui, tout à fait. Ouais. C'est fini l'été. Eh ouais. Alors, Denise, quelle est la traduction pour vous de « Fais vite, dépêche-toi » ? Eh bien, moi, je pensais à « Bac en lettres ». À quoi ? Bac en quoi ? Bac en lettres. Bac en lettres. Oui, on disait ça avant, mais c'est pas ça que je disais. Effectivement, on disait ça. Bac en lettres. Ah, bac en lettres. Oui, bac en lettres. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on recherche, Denise. C'est pas ça qu'on recherche. Et je peux donner un autre ? Mais bien sûr. Bac en mouvement. Aussi, ça se dit aussi, mais c'est pas ce qu'on recherche. Elle pas, c'est alors, pas loin, c'est pas très loin. Alors, la deuxième partie est vraie, mais il manque quelque chose derrière. Mais la première partie est fausse. Donc, voilà, je ne vais pas dire plus. Ok, d'accord. Ben, j'ai tenté. Ah, très, très bien tenté, Denise. Merci. Absolument. Merci. Et j'aime bien votre mission. Hein. Merci, c'est gentil. Merci, madame. Alors, merci, au merci, au revoir. Merci à vous aussi. Alors là, nous avons été toujours dans les news parce que nous sommes en boucle Sainte-Marie. Et puis nous, pendant la fête Sainte-Marie, nous avons eu que nous avons en face Kaïcho Krit, qui m'a dit Saint-Jean. Là, là. Kaïcho Krit, là, en face. Jean. Oui, Saint-Jean. Alors, alors là, là, en face, tenir côté de la place L'Union. À présent, Sainte-Marie, à présent, il va créer place L'Union, il va créer espace. Clarissa, Jean-Philippe. Ah, la fille, oui. Alors, nous c'est pour l'église, un non sourire, Thibaut et Piba. Lui, l'église. Tiens, on va écouter un petit morceau. Elle s'est rapprochée d'une statue à l'effigie de Clarissa Jean-Philippe. La statue en l'honneur de Clarissa Jean-Philippe. De très émouvant de travailler sur une personne qui paraissait aussi gentille. Inaugurée à l'occasion de mettre en valeur, à commémorer Mademoiselle Clarissa. Aujourd'hui, par ma présence, je souhaitais simplement représenter Saint-Pierre et participer à cet hommage à Clarissa Jean-Philippe. La ville de Sainte-Marie qui rend hommage à Clarissa Jean-Philippe, qui était un collègue. 500 jeunes martiniquaises qui combattantes, qui aillent chercher la vie l'autre bord, et ça a été rappelé, c'est leur mort. Sur la place de l'Union qui est devenue la place Clarissa Jean-Philippe, un hommage à cette jeune trop tôt partie. Eh bien, voilà, c'est ça qui est passé pendant la fête Sainte-Marie, ça a bien tombé. Moi, il y a des affaires cousses. Chouval, un chouval, pourtant, vous gâtez, il faut un coup en tête. J'étais obligé de mener à l'hôpital pour boucler, mais avant, ça a bien plus fort, ça a bien déjà sorti de l'hôpital. Nous sommes qu'on a quelqu'un en ligne, non? Oui, tout à fait, il y a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour? Oui. C'est Flavie, je vous ai appelé tout à l'heure. Oui, Flavie. Alors, une autre proposition pour la phrase? Oui. Fais mon Ève. Fais mon Ève. Oui. On disait ça non, aussi, fais mon Ève, portez mon Ève, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, fais mon Ève, portez mon Ève, mais c'est pas ce qu'on c'est attend. Pas ça. Ça, c'est arrivé après ça. On veut le créole une originel. Une autre solution. Oui. Bakoa Otimouma. Oui, mais c'est ce qu'on sait. Il y a une dame qui vient de dire ça aussi. Ça, mais il y a manqué un petit bitac. Il faut faire un petit gommage des derniers Timoua à la fin. Un petit gommage. Mais c'est bien, continuez à chercher, Clarisse. D'accord. Non, Flavie. Flavie, pardon. On vient de voir Clarisse. Vous regardez la télé. Flavie. Flavie, pardon. Continuez à chercher, oui. Puis rappelez-nous.
D'accord. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bon, eh bien, sans trop tarder, quand on regarde les gars, nous, on a une petite astuce. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui dans la serviette des astuces? Dans la serviette des astuces, on a la petite Marine qui nous a appelé tout à l'heure. Donc, c'est une petite astuce pour les enfants. Quand on veut organiser des fêtes d'enfants et qu'on veut gonfler les ballons et qu'on ne veut pas se voir dans l'eau souffle, hein, tu sais, comme les gens comme. Bon, je ne dirai rien. Tu veux gonfler les ballons et. En banni souffle. Est-ce que mon nom est où? On est où? Moi, regardez-moi. Et donc, on veut gonfler les ballons. Donc, c'est possible de gonfler les ballons sans vraiment souffler dedans. Donc, c'est-à-dire qu'on peut prendre un entonnoir, par exemple. On verse un petit peu de vinaigre blanc dedans. Mm-hmm. Et on met donc dans cette bouteille en plastique vide. Vous séchez l'entonnoir avec un chiffon. Puis, vous introduisez le ballon gonflable dedans. Mm-hmm. Vous versez 2-3 cuillères de bicarbonate de soude. Si vous n'avez pas d'entonnoir, vous faites un cornet avec une feuille de papier qui fera office d'entonnoir. Tout en maintenant pincé à l'extrémité du ballon gonflable, vous enfilez le ballon sur le goulot de la bouteille en plastique. Et vous faites très attention de ne pas faire tomber de bicarbonate dans la bouteille. Pour cela, vous veillez bien à bien pincer le ballon et à le pencher de manière à ce qu'il pende le long de la bouteille. Alors attention, c'est le moment, il suffit de relever le ballon tout en le secouant très légèrement afin que le bicarbonate tombe dans la bouteille. La réaction chimique entre le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude s'effectue. Une effervescence sous forme de mousse s'effectue et le ballon se gonfle instantanément. C'est scientifique qui a dans ça, non? Bon, ben, peut-être nous sommes de notre côté, peut-être, mais avancez. Allô? On va voir ça, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui êtes-vous? Qui est à l'appareil? Nathalie. Mathias. Nathalie. Et Nathalie, vous appelez d'où? De Vitry. De Vitry. Oui. D'accord. Donc Nathalie, donc quelle est pour vous la traduction de fais vite, dépêche-toi? Ma proposition, c'est back or bone. Back or bone. Le gars dit ça, c'est bien, pas ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas loin. Oui, on va dire ça, hein, back or bone. Hein. Mais c'est pas ça, nous pas chercher Nathalie. Mais en fait, il faut traduire les deux parties. Donc fais vite et dépêche-toi, Philippe, voilà, c'est tout ça. Tout à fait. Il y a deux faut parties. Bien traduire parties. Mais l'un va pas sans l'autre. Ils vont de pair. C'est la même émission. Voilà. Donc c'est bien deux parties. Il faut donner deux traductions. Absolument. Il faut trouver les deux parties. De faire vite et de dépêche-toi. Fais vite et de dépêche-toi. D'accord. Fais vite. Il y a quelque chose qu'on disait avant, et dépêche-toi, autre chose. Peut-être un voilà, et ben, merci Nathalie, puis continuez à chercher. Bah, bon, bonne, mais on va mettre dans l'autre. Et vous nous rappelez au 09 53 54 62 72. D'accord. Et celui d'hier, ça, c'était quoi? Ah, celui d'hier, c'était... Je ne me rappelle plus. Alors, je vais retrouver ça tout de suite. Il est arrivé sans... Je vais te dire ça tout de suite. J'ai mon petit feuille. C'était la phrase... Il est arrivé chez moi. Il tombe bien dans le blablabla. Ah ouais. Il est arrivé sans prévenir. Sans prévenir. Voilà. Il est arrivé sans prévenir et la traduction, c'était... C'était ça, je ne sais même plus, non. C'est oui, si, c'était ça. Eh bien, bon, Il est arrivé sans prévenir. Et Philippe, c'était quoi la traduction? Je ne sais plus, attends. Il vient à nous blague à dame. C'était ça. Voilà, c'est ce que je pensais, ouais. Alors, il débarquait Jabalap. Voilà, Jabalap, là. Il débarquait Blip, quoi. Voilà. Voilà, c'était ça. Il débarquait Jabalap. Ça, ouais, madame, t'as qu'à garder nous, bien comme il faut, le temps, pas où j'ai manqué brûlant, les différents. Merci Nathalie en tout cas. Merci de votre participation journée. Et puis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bon, à présent, Philippe, nous allons passer par côté des objets anciens. Oui, les objets anciens. Donc, ce pas les objets yo, anciens, mais ils ont encore cours aujourd'hui. Donc, ça toujours parce que c'est des objets qui n'y marchent alors. Toujours délai. Pour ne pas perdre le mot vintage qui est venu vendange, etc. À l'origine, qui est un mot français déformé venu vintage. Toujours cette petite couleur orange. Alors, ces petites couleurs orange, à l'époque, ça ne servait pas pour les poupées Barbie, ni pour les enfants, pour aller à l'école, hein, ni ranger les trucs. Hein. C'était fait pour ranger les fameux vinyles, les 45 tours, les micro-sillons. D'ailleurs, j'ai mis quelques-uns là-dedans. Ah, quelqu'un en ligne avant que tu nous montres ce qu'il y a dans ta petite besace. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous vous appelez? Nicole. Nicole, et vous nous appelez d'où, Nicole? De Monchy. De? De Monchy. D'accord. Et quelle est donc la traduction pour vous, Nicole, de fais vite, dépêche-toi? C'est comme si vidéo. C'est comme si vidéo pressé. Comment? C'est comme si vidéo pressé. Je comprends pas. Bah, bon, non. C'est comme si dire au pressé. Ah, comme si dire au pressé. Ah non, c'est pas ça. Ah non. Là, où bah il allonge là. Ah, où
ou rallonger, ou rallonger. Tu vas pas être bon essayé. Mais effectivement, mais ça se dit. C'est très bien. Merci. Bah, merci, merci à vous, Nicole. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Ouais, tout le monde est content. C'est la gaieté. Je continue. Donc, c'était donc des valises, valisettes, caissettes, pour transporter. Même les Gigi, ce qu'ils allaient animer, à l'époque, il n'y avait pas le CD, ils mettaient leur quelques caractères. Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait des Gigi? Oui. Il y avait des Gigi, oui. Et puis, il y avait aussi pour le 33 tours aussi. Alors, c'est la fameuse série des Sky, on appelait Sky. On tenait sous les comme ça, on tenait blouson comme ça, ça t'est laid frère, mais bon, aujourd'hui... Non, il ne faut pas dire ça, Philippe. Non, ça t'est laid ça. Mais non, tu peux pas dire ça. Non, à l'époque, tu as trouvé ça belle. Vas-y, elle est à présent. C'est moi, je n'ai jamais trouvé ça belle, ça fait beau, qu'à tel point je pouvais porter du cuir ou de l'autruche, alors que maintenant je suis contre ça parce que tu es des animaux, mais j'avais horreur de porter ça, oh là 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 là. Et puis à l'époque, on mettait aussi des 33 tours, c'était Félix de Léopard. Le Léopard, c'est un bien comeback. Léopard, c'est des années 76. Très bien. Vous tenez ça, vous tenez une idée, vous tenez pitié bigot. Ah, ben voilà. Après, ça a changé, mon mal, c'est CD. Non, non, oui, mais maintenant, il y a des portes CD. Oui, avec Katabou, vous tenez le même style là. Oui, avec Katabou. Allez, la clé à dentiste, c'est lui. Eh bien, c'est bien. On a quelqu'un en ligne, je crois. Oui, tout à fait. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, comment vous vous appelez? Nana. Nana. Nana de Paris, hein. Et Nana appelle d'où? De Paris. De Paris. Alors, Nana. Alors, moi, je veux vous dire, fais vite, dépêche-toi en créole. Mm-hmm. C'est Banco Anti-Mouvement. D'ici, il y a de ça. Mais en fait, Nana, il faut traduire les deux parties. Il faut traduire fais vite et il faut traduire dépêche-toi. Là, vous avez traduit la deuxième partie. Mais la première partie, vous ne l'avez pas traduite. Ah. Il faut chercher. Mais c'est dur, votre truc en créole. Ah, mais c'est ça. C'est pas le créole, c'est ton créole aussi. C'est que le nous. Non, mais c'est vrai, mais c'est très dur. Hein, il parle plus créole, moi, que créole, c'est que le nous. Vous c'est verrez. Vous verrez, Nana, quand on donnera la solution, vous verrez que c'était pas si facile. C'était pas si difficile que ça. C'est pas difficile. D'accord. OK, ben je vais réfléchir et puis après, je vous rappelle. Voilà. Ben merci. Merci, Nana. À bientôt. Ah ouais. Ben, Liliane, ma caille vieille penchée par contre. Oui, penchée. Sans poule, la chipoule de la penchée. Ou béni. Oui. Monseigneur béni. Oui, mais bah ouais, moi, je suis censé bio, tout le monde. Tu vas des côtés de beauté ou bien. Non, pas vraiment beauté, plutôt santé. Oui, voilà. On va voir comment la marche rapide est aussi efficace qu'un footing. Donc voilà, on peut marcher très très rapidement, ça peut être extrêmement bénéfique pour le corps, ça a plusieurs avantages, c'est intéressant aussi pour l'amaigrissement, ça ne te concerne pas. Pourquoi pas d'eau maigri? Ça va, j'ai jamais vu. Alors, en fait, la marche rapide est quelque chose est un sport très intéressant parce que c'est quelque chose qui est déjà moins fatigant qu'un jogging. Et puis, ça, pour les gens qui ont les genoux fragiles, c'est plus. Qui sont les genoux fragiles ou qui sont en surpoids, qui sont obèses, ça préserve les genoux et c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Les genoux n'ont ni de l'eau, quoi. Ni mon genou n'ont ni de l'eau, oui. C'est possible aussi. Je ne sais pas qui tu fréquentes, mais tu nous le diras après. Je continue la petite rubrique après sur la marche. On prend quelqu'un en ligne avant. Allô? Allô, bonjour. 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 Je suis Manu de Besançon. Besançon, oui. Vous êtes petit bois mon travail, frère. Maman. Ah, montre, fromage, saucisse. Toute bagaille. C'est bien. Même. Alors, je dirais, fais des bouillards et puis bac en ballon. Maman. C'est Kadima Michéa, fait des bouillards et puis bac en ballon. Exactement. Ah. Eh bien, c'est ça. Exactement. Et nous, Kadi, portez mon œuvre. Fais des bouillards, bien, portez mon œuvre. Est-ce que pas t'es ajouté Brunet Brunet Corse. Oui, mais, oui. Ça, c'est après, c'est arrivé. Mais c'était comme j'ai dit, c'était les anciens créoles. C'est fait des bouillards et bac en ballon. Bac en ballon, monsieur Moya. On est quel âge? C'est 58 ans.
Ah, c'est normal, bon, c'est il a encore été la vieille école. La vieille école, la vieille école. Brenéen, c'est vraiment la vieille école aussi, on ne l'a pas dit Brenéen. Oui, mais ça arrive après. Je ça parle de l'école originellement. Parce que. On en a que y'a là un moment là aussi. Eh bien, nous allons. Je pense qu'il y a plusieurs traductions. En tout cas, bravo. Il a gagné. Ah, c'est bon. Il a gagné quoi? Quoi? Eh bien, on verra ça. Non, mais nous pourquoi on va en gagner, nous pourquoi en vacances. Mais nous cas, chauffer toujours. Parce que ça m'a plaisir d'y parler l'épisode, quoi, c'est tout. Il y a pas de problème. En tout cas, bravo, bravo à vous. Et puis, comment va Besançon? Besançon va bien, ça va bien. C'est très calme. Nous pas de circulation, quand on... voilà, quoi. C'est très bien, quoi. Eh bien, c'est bien, on a des fermes partout, beaucoup de végétation, c'est très vert. Eh bien, parfait. Nous allons remercier. Ça fait 40 ans ici, hein, quoi. Bon, voilà. Ouais. Ok. Et puis. Ah ouais. Mais ça va. Plus force. Merci de votre appel, en tout cas. Eh bien, bah, bravo. Et journée. Puis, je vais ajouter un petit truc. C'est pas Tantan qu'on dit, c'est Tatan. 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 C'est l'opportunité. Alors, quand on dit Makaï, Tatan. Oui, c'est ça aussi. Tatan aussi. C'est ça aussi. Voilà. C'est Tatan. Ouais. Parce que moi, c'est beaucoup de trinité, mais on est bien, quoi. On a regardé ça aussi, pourtant. Tantôt, tout à fait, oui. Merci pour tout ce savoir. On a bien dit, au départ, on va au Tantan. Et lui, il va au Tantan. Tantan. No problème. Alors, Marie, on va merci à vous, et puis à votre émission. Continuez comme ça, parce que la belle, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à jouer en temps de vacances pour essayer de gagner quelque chose. Et puis, Makeba, qu'on t'y fasse encore, bien sûr. Au revoir, chef. Il y a au revoir. Ouais. Et Makeba, il saura le faire. Il saura le faire. Il saura le faire. Mm-hmm. Il va réussir à le faire. Il saura le faire. Il saura le faire. Ouais. Bah, supposons voilà. Que tu vois que Lydia maintenant. Eh bien, on est reparti. Donc, au 09 53 54 62 72. Nouvelle phrase. Mm-hmm. Il saura le faire. Alors, j'explique bien pour que je comprenne le sens de cette phrase. C'est comme si maintenant Lydia dit bon, je vais donner une recette de cuisine. Et les gens disent ah, est-ce qu'elle sait le faire, ça, en moins. Elle donne la recette, mais est-ce qu'elle sait le faire? Donc, oui, elle saura le faire. Il saura ou elle saura le faire. Alors là, nous allons passer par l'autre côté. Alors, ça s'appelle, comme d'habitude, maintenant ça, c'est comme au bon vieux temps de la biguine. Et ma gavier criait encore les micro-sillons de notre belle biguine d'antan. Alors, ben, on va goûter comme d'habitude, les petites épaces, un petit morceau d'amitié Alfonso encore. C'est des morceaux qui marchaient beaucoup à l'époque. Si otra me erre, bueno qui pense en blanc. Ça belle, elle rend des musiques pour nous. Hein. Ah ouais. Dommage que les jeunes ne reprennent pas sur la musique là pour ce style là. C'est dommage ça. Parce que les paroles sont bien. Les paroles sont belles, Jean-Claude. Alors, maman n'a pas cherché ça, c'est évité qui est très très vieux, c'est évité qui n'est pas déjà petit garçon ravi, déjà petit garçon ravi, et puis Pépa. Oui. Pépa, c'est celui-là qui a fait mon normal tellement. Je venais en Pépa, puis voilà. Ou Pépa encore. Et puis, sans oublier, Tibala, qui a montré les autres là, c'est site. OM5, non? Alors, il faut faire om5.fr et puis, vous avez là qui m'a dit témoignage là, en l'air. Vous avez cliqué ici, si vous avez ni anti-vidéo, vous avez ni anti-mot avoué, anti-mot, même méchant, n'importe, nous avons accepté, mais dans le bon sens, hein, quand même. Et puis, nous avons dit, vous pas lâché, OM5 TV, live, vous avez. Mais dis-moi, vous avez un petit blague, vous avez oublié. Ah ben, oui, ben là, vous savez, Tijap. Tijap, non, Tijap, madame est entrée pour y accoucher. Madame venait accoucher. Mais ça qui fait, tu m'as la fête sans oreille.
Alors, comme tu m'as rappelé sans oreille, il est light. Il y a un foyer, ouais, madame la maternité. Et puis, il a dit, eh bien, mon Dieu, tu gères, ça coûte des bonnes oreilles. Il dit, gars, ça, Gaston, pas fait la fête depuis moi. Je m'en ai l'année, quand il est né. Alors, Gaston, ou un autre cousin qui était venu, ouais, dit cousin, comme ça, il dit, Étienne, vous savez, tu sais, quoi dire, d'accord, ça fait sans oreille, parce que tu m'as rappelé sans oreille. Il dit, ah ouais, faut pas dire ça, monsieur va être content. Hein. Alors, Étienne parti, il a regardé. Là, tu es assise là tranquille, bon, tu es madame, tu es allé dans le berceau. Tu as regardé, tu es allé, tu as dit, oui. Ah, il n'était pas papa, il n'est pas. Ah, ouais, il est bouche maman aussi. Hein. Mais il dit, mais tu es si vous avez un myope, si vous avez un myope, qui m'a dit que mettre en lunettes, ben? Alors, c'est une maîtresse de maison qui interpelle la bonne. Et qui a dit, Marie, vous venez encore de casser quelque chose. Il dit, oui, madame, mais cette fois, j'ai de la chance. Il dit, comment ça, j'ai de la chance? J'ai cassé les assiettes avant de faire la vaisselle. Bon, après, pardon tout ça, parce que avant nous passer. Ta oreille là-bas de mauvais. Hein? Ta oreille là. Je pense qu'il va mettre lunettes là. Si, bon. Il va mettre la bonne lentille après ça. Il va mettre la lentille aux yeux. Avant nous passer à notre invité, nous avons dit qu'il faut mettre le azier pour nettoyer nous bien propre. Parce qu'après invité, hein, nous pouvons passer et puis pas d'eau, l'autre côté, la cuisine natale. Nous avons parlé de quoi alors? Ben, nous avons parlé de. Ça les zéba femme, zéba femme ou bien gars, zéba femme, zéba femme, un jour des tiflés jaunes, ben nous avons ça, nous pas de même ça veut dire ça. Ouais. Eh ben zéba femme, quoi que ça aussi encore, quoi que ça que dire tout, guérir tout, zéba pisser, zéba sorcier. Guérir tout. Guérir tout. Ouais. Alors quoi oui. Ouais, tu plantes là, tranquille. Eh bien, c'est ça. Ben, c'est un plante qui est bon pour l'oni, qui nous sait encore, l'oni bouclé et brûlure. Pourquoi passer feuille là, en laisser brûlure là, pour cicatriser plus vite et pour empêcher de démanger ça aussi. Donc, l'oni contusion, se trapper, couloir, ou tomber, ou bien, ou jouer au football, anti-blesse, on va dire bien, ou anti-blé. Hein? Pourquoi passer sans ça, pourquoi faire, pourquoi passer sans ça. Et bon aussi, l'oni jarret. L'oni jarret, pourquoi après trois feuilles. Pourquoi prendre pas trop, pourquoi prendre des petites feuilles là qui sont plutôt jeunes, parce que les jeunes ils ont une plus force. Parce que les feuilles là trop vieilles, j'ai fatigué mon âme. Ils conviennent, c'est normal. Et pourquoi faire ça briller. Mais attention, vous ne boire ça comme ça, n'importe quelle manière, il faut ça faire dosage là, parce que vous avez un plante peut-être dangereux comme bon. Parce que si vous prenez trop, il peut avoir l'effet escompté et non l'effet désiré. Il faut faire attention à ça. Donc, maman là, je vais aborder des détails, mais je ne suis pas docteur. Donc, avant de prendre ça, diable comme ça, fais attention, on se tient aux autres, vérifier les doses, etc. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça n'a pas dit aussi un effet désirable sur d'autres maladies autonomes? Ça, c'est important. Mais ça existe. Pourquoi herbe à femme? Ben, c'est pas moi, c'est français qui connaît son nom comme ça. Mais le nom, comment dirais-je, le nom scientifique, c'est argentum conisoïde. Nous n'avons pas qu'à l'autre bois. Avant nous, quand tu pas jouer clame, nous pas. D'abord, quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, comment vous vous appelez? Oui, et Roland. Roland, et vous nous appelez d'où, Roland? De Grenoble. De Grenoble. Oui. Café fouette à Grenoble. Non, allô? Pourquoi? Café fouette à Grenoble? Eh bien, c'est couvert. Quand même. Il y rapproche. Ah ben oui, forcément. Oui. Alors, Roland, la traduction. Alors, il saura le faire, il qu'est sa feuille. Pourquoi il est même belle? Pour moi, il dit même belle, là, ouais. Il qu'est sa feuille. Il qu'est sa feuille. Ike sa feuille. Non, sa feuille ou Ike sa feuille. Ouais. C'est même belle. C'est pas assez créole. Mais c'est pas assez créole. Non. Ouais, parce qu'on croit pas les créoles. Après, qu'on bêche. Vous êtes bêche. Ah, c'est du bêtise. Marie, tu es quoi? Où tu vas moins là, ma carole? Insultez-vous bien. Où c'est Bouc Martinique comme moi-même? Comment? Où c'est Bouc Martinique comme moi-même? Ah. Mais est-ce que ça va bien? Mais c'est Jean Gomon. Ah, ok. Oui, mais quand on est béqué, béqué c'est nous qu'on nous-mêmes et pas les créoles. C'est quand on est crié, alors. Eh bien, gars. Ah, bah merci, mais continue à chercher. Bon, du côté de Grenoble. Allez, ok, il n'y a pas de souci. Yes. Merci, au revoir.
Bon, alors là, nous avons dit que tu réclames, maman, et nous avons viré en fois, en fois. Eh bien, merci à toi, bien entendu, que tu as entendu. Ne manquez pas les soirées du Rétro Club, tous les vendredis soirs. Soirée 100% rétro, 100% nostalgie, de 22h à l'aube. Une ambiance assurée par les meilleurs DJ rétro de la capitale. Le Rétro Club, 7 rue de la Palombe, Éragny-sur-Oise, zone d'activité de la DAN. Le vendredi soir, un seul mot d'ordre, il faut quitter la capitale. Les soirées du Rétro Club, 07 60 46 11 71. Espace FM. Espace FM. Depuis plus de 20 ans, au service des Français et des Français d'outre-mer. Antilles, Guyane, Réunion. Depuis plus de 20 ans, au service des cultures du monde. Afrique, Haïti, Cap-Vert, Cuba. Espace FM, la radio communautaire la plus active. Espace FM, ses animateurs, sa production, voix, réa, pub, musique, sa propre régie publicitaire, son propre service de communication, sa programmation musicale. Espace FM, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur 98.8. EspaceFM.com, Freebox Canal 63 et vos smartphones. Espace FM, aujourd'hui, demain, merci de votre confiance. Ne manquez pas les soirées du Rétro Club, tous les vendredis soirs. Soirée 100% rétro, 100% nostalgie, de 22h à l'aube. Une ambiance assurée par les meilleurs DJ rétro de la capitale. Le Rétro Club, 7 rue de la Palombe, Éragny-sur-Oise, zone d'activité de la DAN. Le vendredi soir, un seul mot d'ordre, il faut quitter la capitale. Les soirées du Rétro Club, 07 60 46 11 71. Nous là, nous sommes toujours dans le local 5, hein, nous toujours là, c'est la joie, c'est la gaieté. Nous sommes de notre côté, hein, peut-être. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Mais très bien, je vous remercie. Comment vous vous appelez? Voilà. Gisèle de Sevran. Gisèle de Sevran? Oui. Alors, Gisèle, donc quelle est pour vous la traduction de? Alors, pour moi, ce serait IKIP. Pardon? IKIP. IKIP, non, c'est pas IKIP. Ça, c'est trop récent ça. Mm-hmm. C'est... Les gens ont tendance souvent à j'ai remarqué, à vouloir oui, traduire souvent, mot oui. à mot. Alors que le créole, c'est pas du mot à mot, souvent ce sont des images, c'est une expression. Souvent, c'est ça, ils ont tendance à vouloir traduire mot à mot. Alors que le créole, c'est... Mais ça se dit IKIP, hein. Oui, c'est pas de la traduction mot à mot. Non, mais c'est IKIP. Non, c'est IKIP, il le soit, IKIP, alors que c'est pas ça. Alors que c'est imagé, le collègue est imagé. Mais ce qu'on cherche, en fait, c'est beaucoup plus ancien. Oui. Beaucoup plus ancien. Oui. Ouais. Okay. En tout cas, c'est une émission superbe, parce que moi, je parle un peu créole, mais vraiment, on s'aperçoit qu'on ne parle pas vraiment créole. Pourtant, j'ai une association antillaise, je connais très bien la dame qui est là. Donc, je fais pas mal de choses, mais je regarde cette émission, je suis couchée dans mon lit, je regarde, je dis, c'est trop intéressant. Alors, continuez. C'est bien pour nos enfants, parce que nous transmettons le créole à nos enfants, mais je m'aperçois que, voilà. Ah ben, c'est gentil, c'est gentil en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Bon, eh bien, à présent, nous avons invité un monsieur Sandré, là, nous allons parler de monsieur Dubois. Ça, avant, c'est ça, il a dit, là, vous gâchez votre rapport, c'est blanche, il va dire, moi, et puis un bouc, il va connaître le monde, il va dire, moi, et puis un bouc Sandré. Là, l'homme Sandré va se présenter. Alors, bon, ça pas compliqué. Hein. Ouais, moi, voilà. C'est Mamaï du Linor Martinique, mm-hmm. hein, plus précisément Sainte-Marie, puisque ça fait moins un petit coup de frisson, les mauvaises émissions hein, tout à l'heure à sous Clarissa. Mais avant, m'a dit tout ça, m'a dit envie des autres. Merci pour travailler dans ce café-là, perpétrer ta tradition, parce que ça pas évident. De plus en plus, nous avons perdu le créole, nous avons perdu l'authenticité. Et je dis à les Macaouais autres qui travaillent là, les autres qui font ça, je viens tout simplement dire merci. Merci parce qu'il faut déjà courager, lever à l'État, parce que moi, mon séjour en France, et pour moi,
je dis en bâti Frédita, maman qui fait ma charrière. Et les mots au travail, là, j'ai fait là, moi, j'étais content. Donc, pour c'est ça, moi, j'ai déjà dit. Et puis, tout ça qui a encouragé les autres, tout ça qui a supporté les autres, les mots qui attendent, Besançon, Grenoble, tout partout, à côté, on a dit ça belle. Donc, faut ces mots à continuer, inciter Timamayo, garder Criollo dans la guitare, nous. Ça c'est by nous, ça c'est à nous. Donc moi quand je dis je t'en belle merci de recevoir moi aujourd'hui à, ici à comme en de son séjour et m'a viré rentrer caï moi, j'ai dit les mon soleil là, m'a été content. Alors, n'y a pas aussi que peut-être nous parler quelques jours ou dit ou quoi font bail pour ces grands monde là-bas. Donc là nous pas nous on des petits partiels pour ces monde ça ça on va faire et puis sur un numéro mail tout ça ou bien un numéro téléphone pour bail là-bas parce qu'on dit de là-bas quoi garder ça nous qu'a fait ici là. Alors là ça vraiment bien plaisir et puis ou sans monde qu'on va dire parce qu'il y a des monde qui paient bêtier mais ou pas paient bêtier ou pas travailler puis bêtier. Moi quand quoi que les bêtiers à Martinique c'est des monde qui qu'a fait économie pays à marcher. Pas ni des clans, nous pour travailler ensemble. Et yo ka fait économie à marché, yo ka créé emploi. Pour qui faut nous créer en zizanie, en lot polémique, alors qu'il y a des gens qui là, qui courageux, qui ka investi koyo. Bien sûr, les banques parfois ka suivi yo, mais peut-être que ni d'autres, ka ni tan koulé. Hein. Et que ces gens là ka fait un travail formidable, alors moi pas ni à être. Contio, moi pour travailler et puis yo pour nous faire avancer ti Martinique noir que nous a créé le pays Martinique. C'est ensemble avec toutes les communautés que nous périver faire en bagaille ensemble en Martinique. Et puis moi t'ai dit que c'est vrai que moi peke dit moins parce que nous ka fait un travail formidable qui est difficile et puis les personnes âgées et moi qui déjà fait un grand remerciement à madame moi qui là et puis moi studio à Jodia qui bradouette moi en ça et qui a fait toute la partie administrative il a créé Thérèse Florentine qui a fait un travail formidable mais en dehors de ça nous ni en l'eau madame qui et puis nous tous les jours travail là il a fait à ingrat travail là il a fait à bien souvent pas assez payé. Et là, je dis aussi merci, merci pour travailler avec nous. C'est grand monde noir qui, bien souvent, c'est seul monde qui a eu la journée. Parfois, il y a une infirmière et puis parfois, il y a une ménagère là ou auxiliaire de vie. Pourquoi? Parce que je suis allé gagner la vie ou l'autre bord, c'est-à-dire ici. Et bien souvent, ça est difficile pour eux. Et moi, comme j'ai vécu le problème là, nous créer en structure que yo ka créé association Canel des monde qui a commencé puis nous en bas de l'échelle ni a qui rivé jodi qui est soignante m'en content parce que c'est en bonne évolution ba yo mais c'est ça qui a intéressé moi plus jodi encore c'est grand monde non et moi qu'a dit autres jodi a six autres ni les parents qui l'autre côté a épisode pas ça qu'on est pour faire c'est pas en question publicité parce que nous pas ca enrichir con nous mais nous paye subvenir, pallier à une absence, et puis c'est mon nom nous niant. Je dis à nous reconnu, nous certifier par rapport à travail que nous avons fait, et puis nous content. Nous content de que nous avons réussi derrière, même si parfois pas une reconnaissance pour travail là nous avons fait. Et puis à côté de ça, nous avons les jeunes désœuvrés, parce que pas qu'à dire jeunes délinquants encore, les jeunes désœuvrés, que nous avons en ballant, que nous avons d'ailleurs retrouvé un travail, justement, nous n'y bêtis. Nous ni sans prononcer non, nous ni le groupe parfait qui a aidé nous embaucher ces montagnes qui a eu une seconde chance. Alors c'est soit vous apprenez ou pas qu'apprenez parce que vous pas une trois chances dans la vie. Vous qu'a remettez vous sur les rails, nous qu'a créé des emplois, nous ni le groupe Ozo aussi qui a fait et puis nous ni d'autant etc. Mais c'est ça nous t'ai dit que de l'autre côté j'ai fait un travail formidable et puis des petites structures nous tout petit. Nous avons fait un travail pour simplement aider des compatriotes qui l'autre côté a. C'est basé à Sainte-Marie, l'association? Non. Nous siège nous Sainte-Marie, mais nous travaillons sur toute la Martinique.
de du marin à monter par Lorrain Marigot et puis nous a dit aussi merci à la SMH LM qui cabanou en local puisque nous sommes en forme associative nous pas qu'enrichi comme nous a dit merci à Mère Sainte Marie à Bruno Nestor Zéro et puis lequel nous a travaillé qui bannou en local aussi pour nous faire travailler là nous a fait donc ni des communes qui ca comprendre travail là nous ca faire à et puis ni d'autres qui pour comprendre parce que là dit insertion il ca comprendre que c'est rien qui monde qui sorti la jol et même si tu sorti la jol c'est pas un problème l'essentiel c'est dire l'autre ou fond d'erreur ma ca ba en main et puis au périmètre quoi aussi le gars nous ca faire un travail formidable nous des grands monde qui là il ca content rester ici moi jodi a et yo ka resouvre ek sa yoni très peu ayoni yo ka baoli yo ka partager et puis et c'est ça qui a fait moi plaisir ka izot aussi zot ka travail nous ka sentir en amour en sa zot ka faire et zot ka faire en toute simplicité donc si d'autres monde peut pas zot force là parce que pour faire travail l'autre ka faire faut ni finance derrière et moi ka penser aussi que ça pas toujours évident ma zot mais merci en chaï di a resouvre moi jodi a et moi content zot permettre moi exprimer ouais encore la Martinique jodi a mais en ces jours là moi m'en fait ça ca dis-moi que ni encore des compatriotes qui soudés ni la communauté noire qui a envie faire avancer que ce soit Guadeloupe Martinique Guyane Réunion et continuer faire et merci en chaîne Guadeloupe belle merci il y a le numéro de téléphone il portable et 06 96 et non 96 hein 88 mais nous on a notre téléphone. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous vous appelez? Esther, et vous nous appelez d'où? De Paris. Alors Esther, quelle est la traduction pour vous de Ikessa débrouille koy? Pardon? Ikessa débrouille koy. Oui. Non. C'est pas ça. C'est bien tenté. C'est bien tenté en tout cas. Ok, bonne continuation. Merci Esther, bonne journée. Et puis, je vais essayer de débrouiller comme moi par côté pas d'eau, pour côté manger. Nous allons pas d'eau. D'accord, ben nous allons commencer par. Je dis à nous en belle vue à l'offre. C'est par monsieur Pilotin juste à côté. Et bien, typiquement. Jamais. Qui ne manque jamais. Je vais mettre un banane de gesto parce qu'il va mettre ça dans sa casse bon. Et là, c'est poisson rouge, fruits également. Et puis, moi, tu crois que c'est ma base. Je vais faire boire et puis faire laurier, là et là. Je vais mixer tout ça et puis mettre dans la poisson et piment. Et ça va poisson bon la sauce, bon l'odeur, bon tout le bagage. D'accord? T'as raison, bon d'amour Jacques aussi. Ça fait des bons là déjà. D'accord, et là, c'est piloter qui fait ça sans. Poids d'angol ou poids d'ibois. Poids d'ibois, poids d'angol. Et puis, chou d'yo, non? Et puis chou d'yo, et puis tu vois l'anti-etiwidiwi, parfumé. Et puis, adenini aussi, bœuf salé. Ça, on va pas d'angol. C'est bœuf salé. C'est bœuf salé. C'est pas monsieur pilotant. Et puis, pour terminer tout ça, ça c'est Balidia, c'est Suzy qui fait sa Balidia. Ce sont des choux à la crème de coco. Donc, elle a pensé à toi. C'est gentil. C'est pour Suzy. Toi. Merci, Suzy. Et l'émission finit dimanche pour toute partie qu'elle veut pas bailler. Mais tu me connais. Non, je rigole. Pardon, elle a pensé à toi. Trois maisons à elle. Alors, on a bout de fil, on a de l'autre côté. Allez, on a quelqu'un en ligne juste pour terminer. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, comment vous vous appelez? Flavie. Retour de Flavie. Alors, cette fois-ci, Flavie, quelle est la proposition? Il paye. Non, c'est ce que je crois que quelqu'un avait déjà donné cette réponse tout à l'heure. Non, mais c'est trop traduit, c'est pas suffisamment créole, Flavie. Eh bien, nous allons quitter pour la semaine prochaine. Voilà, merci en tout cas, Flavie. À bientôt. À bientôt. Bonne semaine. Bon, une semaine pour travail, on ne peut pas tuer face à nous. Eh bien, mon cadeau, belle merci, M. Florenti. Et puis, quand il va aller à. C'est beau travail, c'est ça. Beaucoup, mon cadeau, plus force. Et puis, mon rapport, c'est un jour au M5 TV, qui est descendu par côté Martinique. Il va se voir. Il va passer voir. Et puis, peut-être, c'est vieux mon nom aussi. De toute façon, mon cadeau, il fait une belle publicité, Bazot. Parce que c'est
travail là tout à fait, continuer à faire. Moi content aujourd'hui, moi pas regretter mon livre en Bafredi. Alors, mais c'est quoi ton 10 missiles que du coup on Martinique à sous. On a le temps de prendre quelqu'un encore en ligne, allô? Oui, c'est monsieur Willy William. Bonjour, je n'ai pas compris votre nom. Bonjour, c'est Willy de prénom et William de nom. William. D'accord. Alors, quelle est la traduction pour vous de... Ah, donc, il s'est dit, il est petit recueil d'affaires. Il est petit recueil d'affaires. Non. C'est plus simple que ça, mais c'est... Mais par qui bon, par qui non, William? Malouvre dans le 95. Côté? Qui côté? À Louvre. À Lourdes. Louvre. Louvre. À Louvre. Ah, Louvre. Ah, dans le 95. Il y a Charles de Gaulle. Ouais. C'est là, c'est là. Yes, ouais, c'est là. Moi, pas loin. Okay. D'accord. Ouais. Non, mais c'était pas ça. C'est bien vu. Il y a des quand il y a des bouillés, non? En tout cas, c'était pas ça. William, continuez. On garde la phrase pour la semaine prochaine. Donc, continuez à chercher. Vous nous rappelez au 09 53 54 62 72. Bonne semaine à vous. Ok, à plus. Bon dimanche. Merci, au revoir. Merci. Okay. Alors, nous avons fini. Manetti, au revoir. Oui, et dis-moi si tu as de la parole pour que tu aies une Martinique. Oui, nous avons dit ça aussi. Quand on a les câbles, canal 51, pour bien préciser ça, bientôt, parce que comme numérica.sfr, bientôt, qu'on a canal là aussi, parce qu'avant, nous avons le Holny, c'était canal 76, là, il y a changé le système. Ne vous inquiétez pas, ou bien, on a fait Play TV. Je vais cliquer sur OM5 TV, Zotla et Bino. Alors là, nous allons... Même sur YouTube, d'ailleurs. YouTube aussi, oui. Absolument. Ben, toutes les émissions, ouais, tout à fait. Et puis, Lydia, tout ça fait, tu connais Coco, ouais, moi, j'ai dit, bah, bon appétit, ne bon t'occupe Lydia. Pas de mes affaires, je te dis bonne semaine, bonne semaine à tous, et puis continuez à regarder OM5. Eh bien, Philippe, regardez-vous. Eh bien, regardez, même une bonne semaine, de la joie et de la bonne humeur, et puis à samedi, si prêt à Dieu, même heure, même antenne, 10h, 11h. Et mes badauds aussi, mes badauds, ben, charbon. Bon, ben, samedi prochain, je vais commencer une préfère un petit gratin, peut-être un petit hachis par moitié de mouille. Maman. Ok, ouais. Ok. Maman. Et puis, bonne semaine à tout le monde. Et quand vous regardez en allemand, auf Wiedersehen. Monsieur, vous l'avez mis allemand. Pas d'allemand présent. Pas d'allemand. Vous l'avez mis allemand. On va écouter l'anglais. Ah oui, comme moi. Ok. Mamie, j'aime ça. OM5, la télévision des Outre-mer diffusée sur les réseaux câbles et ADSL en France et dans les départements d'outre-mer. Retrouvez nos programmes sur le web om5.fr.